Salut les techniciens, Sam Slow, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, ça va super. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode numéro 12 de notre série Skill en Force. Et comme vous le voyez, j'ai une équipe assez bizarre, assez chelou, avec seulement 9 de collectif. Donc c'est le défi d'aujourd'hui, c'est plutôt deux défis, étant donné que j'ai fusionné deux défis. Donc alors, je vais vous montrer l'équipe et je pense que les défis, je pense que vous allez deviner directement ce que c'est. Donc l'équipe, c'est bien évidemment avec plein de joueurs, avec 5 étoiles de GS Technique, mais pas que ça. On a, comme vous le voyez, Julio César et Buffon en buteur. Donc alors les défis c'était quoi? C'était donc jouer avec que des joueurs 5 étoiles de GS Technique dans une équipe, donc voilà. Et j'avais vu un autre défi similaire, c'était bien évidemment de jouer avec que des gardiens dans une équipe. Du coup j'ai mixé un petit peu le défi et puis on va essayer de marquer un beau but avec cette équipe. Donc le but du défi ça va être bien évidemment de gagner un match en marquant un beau but. Donc déjà ça va être compliqué hein. Certainement ça va être très compliqué. On sait jamais, peut-être que Buffon il va nous sortir un truc assez assez fun, assez chelou. Mais en tout cas je pense que ça va être compliqué, mais ça va être fun hein. On est là pour le plaisir. Comme d'habitude les potes, si vous kiffez Skill en Force, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. J'espère que vous avez chaussé vos crampons. Moi c'est bon, là tout est prêt et j'espère que vous aussi vous êtes prêts. Donc trêve de bavardage et on va tout de suite rechercher notre premier adversaire. En tout cas les potes, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et là on est le week-end et on est tranquille, c'est samedi. Et j'espère vraiment que vous allez bien en tout cas. Moi franchement ça va super et on est chaud patate pour un épisode de Skill en Force. Allez go, on est parti pour la recherche de notre premier adversaire. Allez go, c'est parti, on va jouer comme ça. En plus j'ai mis Alan Zinho au but, alors Alan Zinho il est très très petit. Donc si le mec il tire n'importe où, je pense qu'il va marquer directement. Il va nous proposer une équipe skill, ah bah... alors là je suis très surpris, il y a du Asaidi que je n'ai jamais testé encore une fois. Que j'aimerais bien tester d'ailleurs, on a du Cuadrado, Mathias Fernandez qui a sa version en forme bien évidemment, qui est sorti mercredi. Je vais peut-être l'acheter, je sais pas encore. Il est un petit peu cher là, il coûte environ 25 000 crédits à mon avis. Il va je pense se baisser au niveau des crédits et... au niveau du prix plutôt, et puis je pense qu'il va coûter environ 15 000 crédits, même pas. En tout cas, on est parti les amis, et j'espère qu'on va s'amuser tout simplement. Je pense qu'il va lui aussi proposer des gestes techniques, ça serait plutôt sympathique, étant donné qu'il a quelques techniciens. On verra bien un petit peu ce que ça va donner, et j'espère vraiment qu'on va proposer du beau jeu. En tout cas, on est parti avec Chihraoui, pourquoi pas. Ok, d'accord, le Hocus Pocus qui passe pas, il a l'air de bien défendre, donc ça va être compliqué. Alors déjà d'une, notre équipe, elle sait vraiment pas faire de passe. Alors pour les gestes techniques ça va être encore plus compliqué. Et puis en plus j'ai pas, comment dire, j'ai mis du style Cuadrado etc en défense, comme ça je vais pas trop utiliser la vitesse. Doucement doucement, là il commence déjà à dribbler. Parce que devant en plus on a Buffon et Julio César, donc ça va être très difficile. Oh là là, Buffon. Eh Buffon. Buffon il a fait une talonnade là, c'était plutôt pas mal. Eh franchement je suis content si on se mange pas 5 buts, parce que ça va être compliqué. Allez Chihraoui. Oh là là il est passé, oh là là il est passé. Ah dommage, eh franchement dommage, là le skiller il était plutôt pas mal là. Le running waka waka franchement il a géré hein, Chihraoui il a géré. Attention à Saïdi, bon d'accord. Il a fait le Maggie Spin dans la touche, c'est nickel. Encore, encore. Mais putain, comme par hasard ça lag, c'est quoi ce délire? Oh là là, Buffon, Buffon il a fait les jongles là, ça y est. Il s'est pris pour un technicien. Allez Cuadrado, allez hop, on va dégager vite là. Et bah non, tac, hop les, on construit tranquillement. Buffon, ok Buffon le contrôle, ok, allez, allez. Oh là là, c'est chaud hein, c'est chaud. Oh là là, Buffon, encore Buffon. Putain. Ah, je vous jure, quand je suis avec Buffon, on dirait qu'il se sent pousser des ailes et il commence à devenir un technicien là avec ses fins de frappe. Oula, attention à Cuadrado là. Oh là là, ça va vite. Oh là là. Non, 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 non. Oh oui, la transversale, sauve-nous. Sauvez-nous, sauvez-nous. Tiens, dégage, dégage. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Depuis tout à l'heure, j'appuie sur la touche pour dégager là. J'appuie sur tirer pour qu'il dégage assez rapidement. Et je sais pas c'était qui, je crois que c'était Douglas Costa. Non, non, pas lui, pas lui. Oh putain. Alan Zinho il a failli se faire lober. Oh
putain, c'était dommage. Eh, franchement, c'était dommage. Là, Chikraoui, encore une fois, qui nous prouve que c'est vraiment un monstre. J'adore jouer avec lui, même si là, il a que hand collectif. Franchement, il a dribblé pas mal de joueurs. Attention à la défense. Oh là là, ça accélère. Ça accélère. Allez, on l'a bien gêné, là. Oh là là. De toute façon, il fait un... Oh non, mais fais pas de calma, calma. Mais oh là là. Il fait un tir et puis c'est foutu, quoi. Parce que Alan Zinho, il est tellement nul. Allez, dégage-moi ça, là. Oh non. Oh là, Alan Zinho, il a... Oh putain. Eh, j'y ai même pas cru. Bien joué, Boussoufa. Eh, franchement, Alan Zinho, là, tu gères. T'as géré. Allez, contre-attaque, là. Même si, là, il est... Oh putain, il joue en défense. Il joue en ultra-défensif, là. On voit bien ces quatre défenseurs, là. Allez. On va essayer de lui mettre un but. Allez, le grand pont, là, ça passe. Yacoufran. Et cette fois-ci, on va tirer avec Julio César. Parce qu'il est gaucher, là. Il est plutôt bien placé, là. Et sur la mer. Oh là là. Eh, ça passe juste au-dessus, là. Punaise. Eh, c'est dommage, là, franchement. Oh là là, j'ai pas su tirer. Oh, c'est dommage. Ah, le physique de Julio César, alors déjà avec juste le but en buteur, si tu le mets en buteur, c'est de la merde. Alors là, en buteur plus zéro de collectif. Allez, contre-attaque. Boum, 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 allez, go. Allez, go, Chikraoui, là. Fais-nous un truc. On va centrer un coup du foulard. Oh, putain. Bouffon. Il a fait une pirouette. Putain. Allez, go, les mecs, là. Ah, on a failli marquer un but assez bizarre, assez chelou. Oh là là, le physique Julio César là. Eh, franchement, on aurait pu marquer à plusieurs reprises là, c'est vraiment dommage. Oh là là, maintenant il va jouer en mode gagnant là. Oh là là. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Allez hop, le calma, calma. Oh là là, un match tellement, tellement chiant à jouer. En face, ça joue en ultra défensif, contre-attaque, passe lobée. Oh là là, putain, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, on a failli marquer avec nos gardiens. On va tout de suite partir pour le deuxième match. Faut oublier ce match, franchement, un adversaire vraiment pas sympa. Il voulait juste gagner, il a rien fait, il a fait quelques gestes techniques, mais c'est tout. Il a fait 3 roulettes, le reste, il a juste voulu gagner. C'était pas très grave, franchement, on s'en fout complètement. On est parti donc pour le deuxième match. J'espère que ça va mieux se passer et que notre adversaire va arrêter de jouer leur vie, quoi, tout simplement, parce que là c'était vraiment très très chiant. Bon, allez, trêve de bavardage, on arrête de se plaindre et c'est parti pour le deuxième match. Allez, go, on a trouvé un autre adversaire, on va jouer comme ceci cette fois-ci avec le maillot porte-bonheur, on va dire ça comme ça. Espérons que ça va mieux se passer dans ce match. Je pense pas avec l'équipe qu'on a, mais bon, ce n'est. Oh là là, oh, putain. Et on n'a pas de chance, hein, clairement, on n'a pas de chance. Sturridge et Ibarbo devant, c'est quoi ce délire? On va tomber encore contre quelqu'un qui va jouer sa vie. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va se manger 5 buts, à mon avis. Oh là là. En plus, en défense, on a mis du Ronaldinho. Franchement, s'il utilise la vitesse, on est mal barré, les potes. Bon, c'est pas grave. On va essayer de marquer un but avec nos techniciens, avec aussi nos gardiens. Oh là là. Eh, je peux rien faire, les gars. Franchement, là, passe lobé. Oh putain, Alan Zinho. Eh, mais Alan Zinho. Oh là là, mais ça va être compliqué s'il continue à jouer comme ça, là, en passe lobé, ça va être tellement difficile. Oh là là, comment c'est chaud. Parce qu'en fait, ma défense, elle a pas de... Comment dire, c'est pas des défenseurs. Donc du coup, ils sont pas en défense, ils sont plus vers l'attaque. Et quand ils font une passe lobé, bah, en général, ils se retrouvent toujours tout seuls. Donc ça va être très compliqué. En plus, devant, il y a Ibarbo et Sturridge. Alors, je vous dis même pas comment ça va être compliqué. Oh là, la magnifique passe. Mais heureusement, Cuadrado, il est revenu. Allez, c'est pas fini, là, c'est pas fini. Allez, encore. Oh non, 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 non. Putain, bien joué, Vitinho. Vitinho qui a réussi à reprendre la balle en duel contre Ibarbo, quand même. Franchement, l'exploit. C'est l'exploit.
Oh là là. Eh, Quadrado, il a sauté dans le vide. Il a mis la tête, il savait même pas où elle était la balle, il était en mode... Oh, mais t'en fais pas, Lanzino, t'as fait un match plutôt bien, là. T'sais, il a des yeux, on dirait un alien. Ah, mais là, tu peux rien faire, Quadrado, c'est Ibarbo, hein, c'est ton pote colombien. Tu pouvais rien faire, allez, Buffon, là, directement, là. Ok, d'accord. Ah, ça va te dire, oh là là, Buffon. Oh là là, Buffon, il tient plus, là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé là exactement? Parce que Alan Zino n'a pas pris la balle avec la main, il s'est transformé directement en technicien là. Et il s'est dit, ah, mais pourquoi je suis un god? Putain, je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu là. Et depuis tout à l'heure, en plus, mon adversaire qui joue en passe lobé, franchement, tomber contre des adversaires comme ça, c'est vraiment un petit peu chiant. Mais cours, cours, cours! Oh là là, franchement, je vais juste marquer avec mon gardien quoi. Parce que là, c'est tellement difficile. Oh là là. Ça va être compliqué, regarde-moi ça. Il joue en contre-attaque, passe lobé quoi. C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. C'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. C'est pas amusant quoi. C'est pas amusant de se manger des buts comme ça. Parce que nous, on joue pas pour gagner quoi. Enfin, après, je dis pas que les mecs ils ont pas le droit de jouer pour gagner. Mais quand tu tombes contre une équipe comme ça, sérieusement, arrête de jouer à fond comme ça. Clairement quoi. Ils voient que je joue pas à fond, que j'aurais pu marquer une ou deux fois. Mais le mec il continue de jouer à fond quoi. Comme si en fait sa vie en dépendait. Pff, franchement, c'est même pas. Regardez-moi ça, mais c'est même pas... Franchement, c'est très ennuyant, quoi, c'est super ennuyant. J'ai juste envie, en fait, de mettre Quadrado devant, de faire exactement la même chose avec des gestes techniques, et hop, les quoi. Parce que le mec, il joue bien en défense, en plus, hein. Et c'est vraiment chiant. Allez, s'il te plaît. Oh là là, mais tire, Julio César, s'il te plaît. Oh, putain. Je veux juste marquer un but avec mes gardiens, comme ça, pour moi, ça vaudra 10 buts. Surtout avec l'équipe qu'on a, avec 9 de collectif, on va pas aller loin. Oh, y'a faute. Penalty, Buffon, il a obtenu un penalty, les amis. Ah, Buffon, un vrai technicien. Hein. Un vrai technicien, ce petit Buffon. Hein. Oh là là, il est dribblé là avec ses deux pieds gauches. Là. On va tirer avec lui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Non, pas Julio César. Buffon, t'es où? T'es ici. 35 de penalty, bah putain. Eh, faut qu'on la mette. Eh, s'il te plaît, Buffon. S'il te plaît. En plus, ça lag un petit peu là. Oh non, s'il te plaît. Ah, j'ai peur. Ok, normalement, ça devrait être bon. Oui! Yes! Allez, on s'excuse pour faire le mec et tout. Ouais, t'as vu et tout. Je m'excuse d'être un technicien. Buffon, le fifou. Bon, je suis content, on a marqué 10 buts, donc voilà. Bah ouais, le but de Buffon, il en compte 10. Bah non, je déconne, bien évidemment, on s'en fout un petit peu, c'est pas très grave. C'est fun, quoi, c'est marrant. Alors attention, là, il a fait des passements de jambes, là, ça rigole pas. Il a compris qu'on jouait pour le fun. Il a compris à la 81e minute de jeu, après ses douzaines de passes lobées, là. Julio César, oh là 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 là, il tape le sprint, ah je voulais aller dire bonjour à Lanzinho là. Regardez, en plus il tire du pied droit, je crois que Julio César il est gaucher. Et on a mis un doublé de nos buteurs, n'importe quoi, de nos gardiens là, un but de Buffon et un but de Julio César là. Regardez-moi ça, ce plat du pied là, oh là là, un vrai finisseur, buteur dans l'âme, regardez-moi ça comment il est content. Oh là là.
C'est n'importe quoi. Il nous reste même pas 30 secondes là pour revenir au score, je crois. Mais je pense que ça va être difficile. Et attendez, on va récupérer la balle. Allez go les mecs, contre-attaque. Boum. Allez, donnez tout ce que vous avez. C'est parti. Allez go, go, cours. Putain, regarde-moi ça, il trottine. Il trottine, Rolle César, le mec. Il était avec une canne limite. Bon les gars. Bon les gars, on a perdu 3 buts à 2. Contre une équipe vraiment très difficile. Bon, à la fin du match, on a réussi à marquer des buts parce que mon adversaire, je pense qu'il n'a pas, on va dire, bien défendu. Bon, franchement, c'était sympathique. On est tombé contre deux grosses équipes. Hein. Le premier qui faisait un petit peu de geste technique, qui est lui aussi des passes lobées, qui était là pour gagner. Et puis ce deuxième match aussi, là, qui était vraiment très difficile. Et Alan Zinho. Mais Alan Zinho, s'il te plaît. Ah là là, bon, j'espère que vous avez kiffé cet épisode, les potes. Moi, franchement, c'était super sympa. Même si on a perdu les deux matchs, c'est pas très grave. On était là pour s'amuser et personnellement moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette équipe. On n'a pas réussi de défi, hein. On n'a pas réussi de défi parce que il fallait gagner les matchs, hein. Il fallait gagner un match avec cette équipe. Malheureusement, on n'a pas gagné un match. En plus on n'a pas marqué de beau but aujourd'hui, même si c'est vrai qu'on a marqué un but avec Rolle César et un but avec Buffon. C'était plutôt pas mal et j'espère qu'en tout cas que vous vous êtes bien marrés. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en faisant cette vidéo et en tout cas... J'espère qu'on va continuer comme ça à prendre du plaisir sur ce FIFA. En tout cas, les potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Sans j'aime, ce serait vraiment super de votre part. Encore merci, les potes, de votre soutien, comme d'habitude. Vous êtes vraiment géniaux. Je rencontre en plus de nouvelles personnes dans les commentaires. Donc, c'est super sympa. On augmente de jour en jour au niveau d'abonnés. Moi, je me rends compte, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant et surtout impressionnant parce que vous êtes toujours là, hein. Vous êtes toujours présents. Et c'est nickel quoi, c'est nickel, les techniciens, ils sont présents tout simplement, ils sont présents et ils rigolent pas. Bon là on a perdu mais bon c'est pas très grave, on est là pour s'amuser hein, bien évidemment. En tout cas on va se retrouver nous demain pour deux vidéos, du mode carrière et de l'achat-revente. Donc mode carrière donc en début d'après-midi et puis achat-revente en début de soirée. Donc voilà hein, le dimanche c'est deux vidéos hein, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais promis. Donc nous on se retrouve demain pour ces deux nouvelles vidéos. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous bah on se retrouve demain. Donc n'oubliez pas de chausser vos crampons hein, comme d'habitude les potes. De prendre soin de vous c'est très important. Restez comme vous êtes les potes, vous gérez. Vous êtes vraiment géniaux et continuez comme ça les amis. Continuez comme ça, on est des techniciens et on rigole pas. Et voilà en tout cas on se dit à demain. Et puis passez une bonne fin de soirée ou un bon dimanche. Enfin ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo en tout cas. Encore merci de votre soutien les potes, je vous remercie parce que c'est important et je pense que pour moi aussi c'est important de vous remercier parce que c'est grâce à vous que la chaîne elle marche, que la chaîne on va dire elle fonctionne, que vous êtes présents, voilà on répond aux commentaires, moi je réponds aux commentaires, on s'amuse etc. En tout cas j'espère vraiment que vous prenez du plaisir sur la chaîne et qu'on va continuer comme ça tout simplement. Bon, trêve de blabla sinon la vidéo elle va jamais se finir. Bon. Vous allez me dire, moi j'ai envie de rester avec vous là, j'ai envie de rester avec vous, j'ai envie de faire encore un match et tout, mais je peux pas bien évidemment parce qu'après le montage il va être trop long et il faut que la vidéo, je la poste quoi tout simplement. En tout cas, on se retrouve demain, je vais arrêter de dire n'importe quoi et de parler pour rien. On se retrouve demain les potes, n'oubliez pas de chausser vos crampons, de prendre soin de vous et nous, donc on se dit à demain. Ciao ciao les amis.